Une bonne nouvelle pour Haïti. Bon, c'est malgré tout ça, mon pense que c'est un racisme. Il n'y a pas de cap voyage ici, en tout cas. Ça, son menti, son bluff. Ça, ils ont un discours électoral de politique, ils ont gagné. Il fait tout ça, le fait. Car raciste, tout le monde, car raciste, tout. Mais moi, je connais que vous n'avez pas cap déporter tout Haïtien, vous voyez, c'est pas vrai. Bien entendu, qu'il y a un monde qui n'est pas en règle. C'est mettre à couvrir parce que si vous n'avez pas en règle, là, vous cap déporter. Mais si vous avez une autorisation légale pour sous territoire américain, vous n'avez pas cap déporter. D'ailleurs, les États-Unis ont besoin. Conseil de travail, c'est Haïtien qui a fait. Conseil de travail, c'est immigrant qui a fait. Donc, même les gens qui battent Trump, ils ne vont pas accepter que Trump fasse une déportation en masse de travailleurs. Donc, je pense que tout ça, c'est une bagarre de campagne. Ils ne peuvent pas déporter tout Haïtien. Donc, moi-même, je dis Haïtien, c'est ça que je dis Haïtien tout dernièrement, sous question élection, ça, puis gagne voter avec émotion. Puis gagne voter avec émotion, on nous négocie vote, nous. Là, c'est États-Unis d'Amérique, élection à faire. Parce que c'est très important pour la communauté haïtienne et pour le pays d'Haïti. Si nous regardons tout mal que Haïti subit dans les derniers 40 ans, c'est démocrate qui fait tout gros mal. Si nous sommes dans les derniers 40 ans, ça, c'est l'administration démocrate qui fait Haïti. C'est eux qui crasent l'armée, c'est eux qui crasent toute institution. C'est eux qui assurent que les gens qui volent les corps de construction Haïti à retourner la caille, comme qui Petro-Caribe à retourner la caille. C'est eux qui aident, encouragent et assassinent le président Jovenel Moïse. C'est eux qui mettent CPT ça, qui ont crasé le pays, volé le pays, détruit le pays. C'est eux qui prennent tout ça dans sous-sol. Faire jeune garçon avec jeune femme, des âmes dans les mains, à passer des mondes dans les hommes, parce qu'ils ont besoin de ça qu'on battait là. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Haïti que M. Sao tape sous pouvoir très bien. Alors, il y a un capitaine de là, un sénateur qui doit dire, qui doit rappeler que Donald Trump était président déjà. Non, il était président en deux. Gardez pour en qui année il était président. Président Jovenel va mourir, non? Gang, il y a pas de gangrène, il n'y a pas de là. Et comme ça, non? Oubliez qu'il est gang, comment c'est vendre en Haïti, c'est après Village de Dieu. Oubliez qui date. Donc pour montrer que je crois que ça c'est nécessairement mauvais bagaille pour Haïti. Nous t'a demandé, nous t'a souhaité que Haïtien gagne contact ça avec nouvelle administration ça pour assurer que je change personnel qui dans l'ambassade américaine depuis trop longtemps. Voilà, depuis 1994, je rentre avec 25 000 soldats. Depuis le ça, yo empêché Haïti vivre. C'est eux qui mettent la guerre dans le monde entier. Non seulement passer son bras la pied pour Haïti, pour le monde là bon. Guerre Ukraine non. Qui était presque mettez nous en guerre nucléaire, je pense qu'il va gagner longtemps pour le finir. Problème Israël-Iran, il va le finir. Je pense que le président Trump, j'en dis là, il n'a pas jamais fait tout ça. Et les républicains, pas jamais de démocrate qui propose bon papa, c'est au compte tout ça bon pour tout le monde. Haïti te mettre dit, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas conseil 9 membres. Je dis oui, c'est ça bon pour Haïti. Et je dis à Gadna qui est que nous y là. Je dis à nous qui que mercenaire Kenya qui là, il va venir l'argent encore bientôt. Il va venir l'argent. Pas pour son administration, tu ne pas bien avec ça. Vous goût, suivez la caillou va le tourner. Vérité. Parce que mission non plus pas nous tourner en mission onusienne. L'agence a yo, c'est nous qui pour essayer de jouer une aide pour aider la police nationale, pour nous renforcer l'armée d'Haïti, BESAP, pour nous bailler peuple nos sécurité et nous cap bailler peuple nos sécurité. C'est caractère intervention, c'est tout le besoin démocrate, le besoin de contrôler toute bagaille qui fait que Haïti, je dis à la, nous prend. Dans le pétrin que nous prenons là avec CPT et avec un premier ministre, que nous avons battu avec l'autre et Haïti a montré notre trou. Donc, moi-même, ça me devrait dire aujourd'hui, moi-même, je félicite le président Trump et je dis à Haïtiens qui sont aux États-Unis, pas quitter les gens paniqués. Ils n'ont pas qu'à voler tout tourner. Ce n'est pas vrai. Système n'a besoin, économie des États-Unis besoin, ils n'ont pas voulu tout tourner. Ils n'ont pas voulu tourner, même si ils ont autorisation, parce qu'ils ont besoin d'un duel. Donc, c'est ça que je viens pour me dire. Et encore une fois, je félicite le président Trump et m'expliquer que. Il y a suspendu barré de Haïti parce que nous prenons, non, républicains ont dit que c'est raciste et les démocrates qui ont même pensé que nous sommes choulio, c'est pour craser pays, piller pays tout le temps. Donc, pour même position par là, vous pensez que l'arrivée de Donald Trump, 20 janvier, qui a venu là, a changé de données politiques, surtout en Haïti? Bon, nous, c'est pas un nègre qui vraiment aime entrer dans la politique. Nous, on est là pour faire des bagailles de Paul, ils font des bagailles d'éclat, mais ils étaient démocrates, toujours bien ça comme habitude, pour penser que c'est au plus bien qu'on est, des nos bêtes. Si vous pouvez dire qui j'en pour vivre, qui j'en pour manger, qui est-ce qui pour gouverner, qui est-ce qui corrompu, qui est-ce qui écrasé, et vous faites combien de temps? Il y a paniqué, nèg ça. Il y a essayé d'écraser, monsieur, apprendre comment le système ça va bon. Et m'espérer que la corriger le système ça, et la font passer main dans le système ça. Merci. Parce que la bon pour nous, la bon pour le monde, et a fait que l'ambassade américaine vienne à plaider rentrer dans le bagage Haïti, voler, piller depuis 1994, nous espérer que la bon fin assister à manœuvre ça, ou à bagage ça. Et encore une fois, c'est un gros bagage pour montrer à Haïti que c'est nous Haïtiens qui sauver Haïti. Ce n'est pas les États-Unis qui viennent sauver le bon nous. Ce n'est pas l'autre monde qui viennent sauver le bon nous. Là où nous peur qu'on s'arrête aujourd'hui, parce qu'on président changer dans le pays, nous peur retourner la caille, c'est parce que la caille nous pas de travail pour le vin plus bon.
C'est parce que le gouvernement, nous sommes équipe volée, son équipe chape. C'est nous-mêmes haïtiens, quel que soit à côté nous, pour nous mettre ensemble, pour nous réfléchir comment nous avons fait Haïti venir tout le bon côté, pour même les États-Unis, ou le président mondial, pour ne pas obliger à paniquer. On fait la caille bon, on travaille pour Haïti venir bon. On met fin à des autres ça et à des rives ça. Alors, question pour nous finir avec vous. Question toujours été, nous avons commenté là même avec Vladimir Matéan. C'est une question de leader éclairé, Vlad. Qui est-ce qui est capable de mener des négociations, qui est capable de discuter avec Blanc? Nous toujours en panne de leader ça en Haïti. Et nous voyons ça qui a passé là avec le conseil présidentiel, ça qui a parlé de Lila, premier ministre Gary Conille. Mais est-ce que là, 4 ans Donald Trump là, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont là sur le terrain ou même de l'autre monde qui n'a équipe ou n'a pas profité de ça pour faire une diplomatie éclairée. Premièrement, ça nous pour nous faire c'est prendre pouvoir, retirer les gens au côté où il y a là. Il n'y a pas de place là. Il y a blague Haïti, nous trouve chaque jour plus mal. C'est pour nous même Haïti, nous mettons ensemble pour nous retirer les gens au là. Il n'est pas capable de décider, il n'est pas normal pour son équipe volée. Ok, mais il n'y a pas de deal non. ULC c'est deal, tout le monde deal. Si vous voulez prendre une décision pour Haïti. Il n'est pas normal que les gens qui ont tout des problèmes dans la corruption, que ce soit dans la question volée comme. Et reconstruction Haïti ou bien voir les comme BNC pour ces gens encore qui a signé et qui a pris décision ça pour Haïti sécurité pays n'est pas capable d'amener ambassade. Je dis à ces ambassades américaines qui commandent en chef la police, c'est lui commandant en chef l'armée, c'est lui commandant en chef si monsieur Gézam dans la rue avec Timé Damio, c'est pas moi qui dis ambassadeur deal. Donc il est pour qu'on fait à bagage ça, pour mettre un fin à bagage ça. Merci sénateur Guy Philippe. Un problème. Yes. Voilà. Donc Guy Philippe, bon, parce que la chavire sous nous là, nous obligé pour camper là pour nous, étant avec professeur nous, professeur Josué lui, qui est dans le studio avec nous, pas oublier c'est invité spécial, nous avons gardé. Maintenant, les élections américaines, là c'est clair, Vlad, Donald Trump président. Oui. Et nous avons dit le bagage miracle là, pas rien qu'à changer ça. Qui j'ai, professeur, tu commences à aborder des questions là qui t'attirent attention non en pile. La présidence de Donald Trump pendant ces 4 ans qui j'ont eu. Moi-même, l'analyse m'a toujours tombé bien, malgré que je n'ai jamais voulu bien tomber. Parce que quand il y a des gens qui pas bien ouais question, c'est Trump qui bon phénomène sur là. Il peut transposer l'expérience en Afrique avec Madame Lalim. Côté que il prend le contrôle il bon il dit carrément demandé pour donc ça nous gain là en Haïti pour même c'est Trump qui va nous aller et puis il voit madame Lalim pour contrôler la police mettant bagou zam sous pays contrôler la police qui dit la police par exemple mais qui leur pour intervenir mais qui leur pas intervenir madame Lalim c'est lui qui était vraiment chef police là et puis vinn bon problème soit gain bonne armée ou gain au même gens au fait dans pays africain donc c'est Trump qui vient avec lui. C'est pega que nous bay responsabilité à l'autre monde qu'on est à l'autre yo même yo vinn amplifier yo continuer mais véritable responsable là li pas l'autre monde c'était Donald Trump pas véritable responsable de ça qui passe en Haïti là même ou clair pas Donald Trump seulement. Alors Donald Trump go grand part de responsabilité dans ça qui gagne là parce que ou joine que Donald Trump était un paquet de bonne monde type est pour renouveler pas renouveler lorsque tu joine des parlementaires qui t'avaient intervenu auprès de Donald Trump il allait le table de Chitwell County. Je ne crois pas un monde qui nous cap gain rien de sérieux nous cap attendre de Donald Trump. Au contraire avec Donald Trump nous va gain plus de chaos dans pays là, plus de chaos avec Donald Trump ou même pour même n'a pas gagner plus de chaos de violence plus de violence là comment expliquer. Parce que Donald Trump, les grands politiques isolationnistes, parce que nous pas capables de résoudre le problème, ça nous gagne là pour contre nous. C'est pas que les démocrates ont tapé des noeuds de résoudre tout, non. Mais quand même, ou joignent que les démocrates ont une position, bon, pas quoi sur eux, comprenez bien. Parce que qui dit démocrate, dit républicain, dans la politique haïtienne, c'est même bagaille, c'est même politique, président Roosevelt des États-Unis, qui te dit comme ça, que c'est pour nous diviser, nèg sans souliers, yo, avec nèg avec yo. C'est ça qu'a fait toujours, c'est ça qui est toujours fait, que ce soit républicain, que ce soit démocrate, parce que y a toujours bon même politique étrangère envers Haïti. Faut nous pas essayer comprendre, essayer dire que avec démocrate ça va le changer. C'est même ouais bien variante Rooseveltienne de politique étrangère là. C'est la politique de la carotte et du bâton. Il y a personne qui ne fait me comprendre que par exemple républicain gon politique étrangère qui est différente. Seulement démocrate yo gon problème la caillou. Problème yo gen la caillou. Yo montré que yo zanmi ou et pourtant bamba y a crasé ou mais républicain yo paraît tête yo même yo paraît tête yo for well. Donc même quoi que nous pas un gros problème République Dominicaine qui déjà prend un paquet haïtien expulsé au bord ici
li pral gen de l'eau dans moulin pour le faire plus bien parce que ou joine yon xénophobe de l'autre côté qui t'a capable râler les oreilles li qui pa pral faire et puis qu'on y a la même l'autre grand problème ou gon bonne zone de notre côté moun pa ka vivre ti côté moun ka vivre yo qu'on y a là ou est qui problème qui pral gagner ka pral extrêmement cher et pas pral n'a pas si c'est ça même extrêmement cher ou pral joindre que on classe moyenne qui déjà li même prolétarisé pas gagne ça encore davantage donc avec démocrate peut-être nous t'as une petite chance yo t'a mettre un bémol avec démocrate oui oui yon bémol et démocrate yo t'es là nous ba non 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 alors là ça Biden décrire tout bleu ça ça il vient avec question immigration ça pour déstabiliser pays lorsqu'il vient avec parole humanitaire parce que l'on prend pays il choisi yo l'on prend Haïti alors c'est ça Venezuela ça. Nicaragua Cuba c'est pour déstabiliser gouvernement ça yo comprendre bien mais qu'on y a là qui moun qui pral frapper plus par déstabilisation ça Haïti bon Donald Trump était au pouvoir qui moun qui était tacle Venezuela pire red qui vient permettre économie vénézuélienne tomber comme ça c'est encore ce Donald Trump alors seul ça pral gagner bon OK Donald Trump qu'on y a il pas pral financer parce que n'a pas pris rien dans pays là il pas pral financer yo l'a demandé pour aller quoi yo mais qui ça pral faire est-ce que nous ca résoudre crise ça pourquoi nous je ne le crois pas je ne crois pas que seul que nous ca résoudre crise là nous besoin quand même on appui international voilà ouais bien mais appui hein, c'est pas pour que substituer pas quoi n'a vienne appui ça de Donald Trump substituer à nous-mêmes ça appui là c'est pour venir renforcer par exemple renforcer qui ça ça nous-mêmes nous décider mais est-ce que nous-mêmes nous avons projet vraiment ça c'est mon problème à moi est-ce que nous avons projet vous comprenez bien pour remettre pays à vraiment sur rail est-ce que c'est mon projet personnel que nous gagnons alors là m'a pas gagné réponse là mais de toute façon j'aimerais dire là nous avons l'autre choc des civilisations avec Donald Trump c'est la xénophobie au pouvoir par exemple premier plan yo c'est latino-américain yo c'est au principal cible là même quand parce que ou joindre que moun qui t'a écrit choc civilisation il dit comme ça que il était passé par les États-Unis il dit gros problème choc civilisation aux États-Unis quand on joindre par exemple un bon latino-américain dans pays là yo même y a un paquet d'avantages et yo pas jamais assimilé yo toujours été à langue pa yo il dit comme ça que yo gen propre l'école pa yo comprenez bien donc il faut repenser par là l'autre on est dans Donald Trump qui va le mettre fin à tout ensemble de programmes sociaux qui gagne tout pouvoir qu'on y a là même et puis là ici ça des vieillards qui là-bas qui dépendent de programme social ça qui sont prêts à le faire donc qui gagne un programme mais non Donald Trump déjà te gagne institution à le camper en face là mais ils sont bonne majorité yo yé si a fait sorti rapport sur ingérence russe dans élection américaine il camper le démenti nèg yo dans figure yo il pas même respecter institution alors que m'dande mon a dit institution parle gagne institution cap ka contrôler Donald Trump avec ou bon paquet de bonne monde qu'on a fait alliance avec Donald Trump parce que si on nèg parce que ou pas Trump c'est comme si ou pas américain donc ou pensez que tout le monde c'est tête à tête pour le marché devant Donald Trump alors un pays qui chita son ensemble de valeurs que Donald Trump li bafre comme ça ou joigne que parlement pas jamais fait rien deux fois monsieur frôlé par exemple la destitution le parlement qui gagne république là-dedans yo pas jamais fait au contraire yo appuyé ce qui pas fait même avec le président Nixon qui sont démocrates alors pensez de Donald Trump ça pral gagne institution qui a contrôlé c'est lui même qui toute bagaille c'est lui qui pral entraîner institution yo tout côté on est arrivé carrément livré prend l'armée pour faire coup d'état contre un résultat élection si pas de gagne général Millet qui te gagne bravo la ca dit comme ça il bon général Millet pral prend commercial tout lui même il pral prend commercial alors que pour moun dim kon sa que oui haïtien pa déporté nèg la déporté haïtien et puis gon l'autre bagay que nous pas comprendre ou on pense gon dollar que gon l'autre bagay que nous pas comprendre à qui moun li associé avec Elon Musk qui ça qui wol Elon Musk ça automation même mop moun te kon passé ou pas joine ni encore Elon Musk appareil fell et peut-être ça li associé à Elon Musk pour capable pousser plus loin avec plein d'automation yo parce que yo ouais que gen ti emploi que américain pas fait c'est immigrant qui fait tant qu'ou lever boîte tant qu'ou par exemple passer mop qu'on y a la même Elon Musk pral bon résultat avec une robotisation poussée et peuple américain gen pour payer très cher son choix de Donald Trump si ça pas fait pas intellectuel encore si ça pas fait parce que même pas jamais font prédiction que le pas arriver fait pas jamais font rien sous base émotion fait tout ça me fait sous base analyse c'est deux diab qui gagne diab démocrate diab républicain li prend peuple américain en plan
nos pièges. Et je crains que le peuple américain n'a pas payé très cher ce choix. Parce que qui s'est pas le gagné? C'est plus robotisation. Même question de Uber. Ou joindre que c'est, par exemple, yo pral programme yo pour ça. C'est ça qui fait que li ouais nèg Elon Musk là lui-même li embrasser projet Donald Trump là et qui ça le pral faire lui-même. Si ça te gagne lorsque Donald Trump te prend pouvoir, tout par exemple et solution démocrate te porté avec et économie américaine là. Li prend toute l'argent ça la retirer taxe sur monde qui pire riche yo. C'est ça le t'a fait. Et puis li mettre économie en plus bas. Ça que m'pas ka comprendre l'électorat américain. Parce que vous jouez bien sûr sous l'administration Biden. Je ne parle pas en tant qu'haïtien. Je ne parle pas en tant qu'haïtien. Je ne parle pas en tant qu'haïtien. Parce que si je parle en tant qu'haïtien, je ne parle pas en tant qu'haïtien. Je ne parle pas en tant qu'un scientifique. Vous jouez quand même sous Biden. Économie non au niveau très élevé. Mais vous êtes tellement xénophobe. Vous inscrit dans le plan Donald Trump. Là. Et vous jouez que vous avez deux grands axes conflits internationaux. Vous jouez que c'était. Et puis, centre conflit, c'était Moyen-Orient, Ukraine. Ok? Qu'on y a là même, il va résoudre le problème Ukraine. Qu'on y a là même, qui ça? Tout conflit, qu'on y a, il va retourner Moyen-Orient. Pire toujours. Qu'on y a là même, c'est ça pour nous. Mais lui-même, il joue la baille soutien inconditionnel li, à l'Iran. Vladimir Poutine qui a joué mission mauvais tour. Et ça fait que Vladimir Poutine, par exemple, il était un petit, j'en mets un petit bémol dans Moyen-Orient. Il pas de baille ou tout si, par exemple, gros missile longue portée pour craser bateau américain craser Israël parce qu'il connaît que yo ka bay Ukraine autorisation pour frapper yo tout en Russie ba la gon deal qui pas deal vrai en bas côté que ou joine Poutine li pas fait li pas bay monsieur par exemple Yémen yo missile longue portée ça pour craser tout bay ça ni convoi pétrolier vers Israël vers côté ça et Poutine capable pour prendre pause Libye à monsieur yo résoudre ça. Et puis qu'on y a là même pour capable faire qui ça qu'on y a là permettre que tout si yo Iran pral renforcer puis plus et Iran parce que gon gros enjeu géopolitique c'est le détroit de Dormouth c'est pas détroit de Dormouth parce que quand pile l'autre analyse et ou joindre France et Radio France Nationale yo pas jamais dit ça c'est la plus gros enjeu a détroit de Dormouth 40% pétrole yo c'est pas là la faire avantage Poutine. Donc Poutine va vendre gaz les plus cher parce que moi-même t'es gon analyse tant qu'on joigne comment il est là même yon petit oui qui Canada toujours parler l'a dit c'est démocrate là comment il est petit ça qui est ça petit ça qui toujours Canada ça Canada démocrate non haïtien m'avant t'as dit oui sous Donald Trump et gaz oui mais qu'on y a là pas attendre nous gaz là pour le baisser vrai inflation pour le baisser vrai parce que qu'on y a la même ou gen un toro qui Iran qui ka bloqué des trois d'eau maintenant là. Et ben yo pa jan bi bon sou démocrate là. Moi m'a regardé balance là. C'est pas que c'est bon, c'est pas que démocrate. C'est non pisalé. C'est pas yo con ça. Non non, c'est pas que t'es bon. On y a mais entre de mal yo. Gen quand même ka pi mal. Est-ce que nous bal prendre démocrate là? C'est que pas gen pi bon. Pour ça ouvert là. Pas gué pis bon, hein? Tu vas placer même bagaille là, c'est que non mais gué on dit mal pour déterminant de la politique, il y a le déterminant de la politique étrangère américaine, c'est là nous pas arriver là, c'est déterminant Rooseveltien, y a pas prêt nous pour moun, c'est toujours divisé. Nèga chaussures. Bon, son gros débat là, la c'est ça déterminant. Parce que ça, c'est son lecture. Son lecture qui ne peut pas tenir compte de déterminant ça. Ça dit que variant Roosevelt tienne, lire ton déterminant dans la politique étrangère américaine. Que ce soit pas un monde qui a démenti, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, c'est même politique là où il y a. Là, nous obligé de faire un monde qui a parce que vous avez lancé des balles. La Cour suprême dans la chambre dans la main, ils ont tout appelé-t-il mettre auprès de Trump.